Et coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de mes recommandations en matière de romans historiques. Voilà, pas de vlog en tout cas ce week-end, il arrive très bientôt, j'ai eu un petit empêchement. Mais voilà, je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour la fin de semaine là. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo spéciale recommandations livres romans historiques. J'en lis pas mal, alors c'est une sélection, donc clairement la liste n'est pas exhaustive. Voilà, je fais avec ce que j'ai ici au niveau de ma bibliothèque et peut-être voilà, vous faire une partie 2, une version 2 en fait de cette vidéo si jamais ça vous tente. Voilà, moi je pense qu'au niveau saison, on est plutôt bien pour parler romans historiques. En tout cas, moi j'aime beaucoup lire ce genre de romans-là. En automne ainsi qu'en hiver, je trouve que ça s'y prête parfaitement en termes de pavés, mais même en termes de plumes, etc. Bref, vous savez également que je suis une grande amatrice de romans historiques, d'où voilà, je me suis dit que j'allais vous faire vous concocter cette petite vidéo pour vous parler romans historiques. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous appréciez le thème, si vous l'avez aussi apprécié de manière générale. Et puis n'hésitez pas également à me dire en commentaire si les livres dont je vais vous parler, vous les avez lus ou si ils vous tentent. Ça serait voilà, vraiment très sympa d'avoir vos commentaires et vos retours sur la vidéo. Alors on commence tout de suite le premier roman que je vais vous présenter. Il s'agit évidemment d'un Mireille Calmel, donc La prisonnière du diable. C'est une incontournable, hein, Mireille Calmel en matière de roman historique. À chaque fois, il me semble que tous ces romans, il y a une petite part de fantastique qui vient se rajouter et il y a une certaine dimension du coup comme ça, un petit peu fantastique, mais... Et voilà, Mireille Calmel en tout cas, c'est quand même une figure incontournable du roman historique. En tout cas, là, dans La prisonnière du diable dont je vais vous parler, on est au 15e siècle, donc en 1494 pour être plus précise. Et c'est un one shot. Je sais que Mireille Calmel, elle, j'arrive pas à le dire, elle écrit beaucoup de duologies, etc. Mais là, on est vraiment sur un seul tome. Et en fait, on suit dans un petit village, en fait, en Provence. En fait, si vous voulez, il y a le tout début du roman. On est en Égypte, donc la même année, en 1494. Et il y a un ordre secret. Où en fait il y a une roue qui tourne et il y a le nom d'une personne qui doit mourir, qui apparaît, donc cette personne doit mourir. Le nom en fait parvient jusque dans un petit village de Nice où en fait finalement une bonne sœur en fait prend connaissance du nom et pendant un petit peu tout le roman il y a toute une tension, un secret en fait autour de ce fameux nom, qui c'est qui doit mourir. Et donc en fait, on est vraiment en immersion complète dans ce petit village où on suit les habitants avec leurs secrets. Il y a ce fameux ordre-là aussi, secret, qui apparaît un peu à la manière des francs-maçons, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, forcément, ça attise la curiosité. On se dit que, voilà, est-ce que ça a un rapport avec le châtelain, par exemple, la personne qui dirige aussi le village, etc. Bref, il y a toute une immersion en fait complète dans ce village. Les personnages sont attachants, on sent qu'ils ont tous quelque chose à cacher et en même temps on est plongé vraiment au cœur du 15e siècle, enfin on est plus vers la fin du 15e siècle du coup, et on a tous les us et les coutumes en fait des habitants de ce fameux village. Et vraiment j'aime beaucoup Mireille Calmel pour ça, c'est qu'elle arrive en fait à distiller à insérer en fait dans ses romans des us et coutumes, des traditions, surtout du vocabulaire en fait utilisé à l'époque. Et donc vraiment l'immersion est complète. Encore une fois, une petite part de fantastique. Alors j'ai l'impression que dans celui-ci, par rapport aux autres Mireille Calmel, il y a une dimension fantastique qui prend plus de place que dans d'autres. Mais ma foi, franchement, lisez quand même, testez si vous aimez les romans historiques, testez Mireille Calmel. Le prochain roman dont je vais vous parler, il s'agit d'un immense coup de cœur pour moi, Le réseau Alice de Kate Quinn. J'ai la version poche donc de chez Audeville et j'ai littéralement adoré, je trouve que c'est un roman extrêmement poignant. On est en fait
On suit, si vous voulez, une ancienne espionne qui s'appelle Eve, si je ne me trompe pas. Et on est en fait plongé au cœur. On est après la Seconde Guerre mondiale, mais il y a pas mal de flashbacks en fait dans le passé. Et on la suit, si vous voulez, à travers voilà, des flashbacks assez réguliers. On la suit en fait en tant que quand elle a été espionne pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est vraiment pur roman historique, parce que l'histoire de nos jours entre guillemets se passe donc juste après en 1947. Et donc du coup on la suit dans ses actions de femme espionne, son quotidien un petit peu pendant la Première, mais aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ce qu'elle a subi finalement, parce qu'à un moment donné elle a été découverte, si vous voulez. Il y a également il y a un secret dont je ne peux pas trop vous parler, mais on suit plusieurs personnages. En fait, on suit Eve, mais le personnage principal, c'est Lily, si je ne me trompe pas. Charlie, pardon. Charlie, il y a aussi une fameuse Lily qui est à la recherche, etc. Enfin bref, il y a pas mal de personnages, mais je pense que au niveau du roman, ce que j'en retiens, c'est vraiment ce personnage d'Eve. Espionne, une femme très indépendante, très courageuse. Il va lui arriver voilà, plein de choses. On va en fait être immergé au cœur surtout de la Seconde Guerre mondiale, avec donc ses actions en tant qu'espionne. Et finalement, à la fin, cette pseudo-reconnaissance de tout le travail qu'elle a fourni en fait hein, pendant la guerre. Et il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Je ne peux pas trop voilà, résumer en quelques minutes, mais c'est beaucoup plus complexe. Et on a finalement pas mal de. On suit un petit peu quelques pans cachés de l'histoire. Et donc, vraiment, je vous recommande, si vous êtes fan, si vous aimez beaucoup en fait lire des romans historiques sur cette période-là, sur la période de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Clairement, je vous le recommande parce que peut-être qu'il vous fera apprendre en fait davantage sur voilà, comme je disais, certains pans cachés. On parle notamment du tristement célèbre massacre d'Oradour-sur-Glane, qui d'ailleurs est pas très loin de ici, le village, je veux dire. Et donc du coup, c'est vrai qu'on est quand même au niveau de la dimension historique, elle est quand même très forte, très présente, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman. Même si on est centré aussi sur les personnages féminins forts, franchement, je vous conseille à fond, à fond, à fond. Prochain roman, il s'agit de La Cité de Feu de Kate Moss. Alors moi, j'ai la version espagnole, mais en français, c'est La Cité de Feu. Et en fait, là, pour le coup, on est clairement plongé au cœur du 16e siècle, j'ai eu un petit bug. On est en fait plongé au cœur vous savez, bien, au 16e siècle, il y a eu vraiment des guerres de religion assez importantes en France. On est dans le sud de la France. On est à Carcassonne précisément, et après, il me semble qu'on va évoluer vers Puyvert. Puyvert qui me semble existe, hein, si je me trompe pas, les Pyrénées, vers les Pyrénées, etc. Donc voilà, sud-ouest plutôt de la France. Au 16e siècle, en 1562 pour être plus précise, et en fait on va suivre Minou, Marguerite de son nom je crois, qui est donc catholique et qui va s'éprendre, si vous voulez, alors c'est encore une fois plus complexe, mais elle va s'éprendre de Piette, qui est un huguenot, donc un protestant, qui vient des Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Et en fait, on a aussi tout un système de. Donc, on est plongé au cœur des guerres de religion, mais on est quand même vachement centré hein, sur l'histoire d'amour de Minou et Piette, mais aussi sur tout un secret autour du père qui entoure un petit peu Marguerite et surtout le père de Marguerite. En fait, si vous voulez, le pitch du départ, c'est que Minou, justement, elle tient donc la librairie de son père et elle reçoit une lettre avec quelques mots dessus. Elle sait que tu es vivante. Je crois que c'est ça. Et il y a. Je sais pas si je traduis très bien. Il y a ça avec Estas Biba. Donc je pense que c'est ça. Et en fait, clairement, il y a un mystère voilà, autour de cette fameuse lettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la lettre est adressée à elle personnellement ou est-ce qu'elle est adressée à son père? Et notamment, elle se rapproche donc de manière totalement, pour le coup,
du fait du hasard, en fait, elle rencontre Piette. Et Piette, huguenot, donc encore une fois, la fracture catholique huguenot, mais enfin, je veux dire protestant. Et lui, ce fameux Piette, il a une histoire personnelle aussi très importante. Et il va notamment être en possession d'une relique très 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 précieuse qui est extrêmement convoitée. Voilà, je pense que ça pose le décor. En tout cas, moi, c'est tout ce qui me plaît. Et si vous aimez, voilà, ce genre d'histoire, bah, écoutez, foncez. Le prochain roman dont je vais vous parler, il s'agit du Diamant de Saint-Pétersbourg, pardon, de Kate Furnival. Alors, il me semble, donc là, j'ai la version Françoisir, donc honnêtement, au niveau des versions, enfin des éditions, etc., je pense qu'il a été édité dans un autre, avec un autre titre. Vous mettrez en barre d'infos les liens, parce que clairement, là, actuellement, je ne sais pas trop, mais il me semble que le titre a changé en fonction des différentes éditions. Et donc, du coup, j'ai beaucoup hésité avant de le mettre dans cette vidéo, parce qu'on est plus sur de la romance historique qu'un véritable roman historique. Alors après, voilà, les livres dont je vous ai présentés, pour certains, c'est pour certaines personnes, je veux dire, c'est pas des romans historiques. Moi, pour moi, ça rentre dans le genre, mais celui-là, je vous avoue qu'on est plus centré sur la romance que sur le fond historique. Le fond, en fait, est développé, mais il y a de l'incidence sur les personnages. Et pour moi, en fait, quand le fond historique a une certaine incidence sur les personnages, pour moi, ça rentre dans le genre roman historique. Bref, je sais pas si mes explications sont très claires. En tout cas, pour ce roman-là, on va suivre du coup Valentina, qui est une jeune aristocrate russe. On est à l'aube de la révolution russe, donc on est actuellement en 1910. Et si vous voulez, elle fait une promesse à sa sœur. Elle promet à sa sœur qu'elle la protégera coûte que coûte, sachant évidemment qu'on est à l'aube de la révolution russe et que clairement il y a on sent que la colère gronde partout dans le pays. Valentina est pianiste, donc on a aussi cet univers de la musique qui est très présent. Et à un moment donné, elle rencontre un jeune homme, un homme qui en fait va devenir donc son amoureux, vous vous en doutez, on est sur une romance. Et coûte que coûte, elle va devoir donc se battre absolument auprès de sa famille, de son rang, etc., pour pouvoir choisir cet homme et vivre avec lui. Et on sent en fait que derrière le fond historique, donc cette révolution russe arrive à grands pas. Et on sent un petit peu bah, forcément les privilèges des aristocrates qui, petit à petit, les aristocrates ont moins de privilèges, de moins en moins en tout cas. Et on sent qu'il y a une certaine tension, en fait, si vous voulez, au niveau du récit. Et ça prend le pas sur l'histoire. J'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que je pense qu'il faut vraiment le découvrir. En tout cas, on est clairement sur ce genre d'ambiance. La couverture, je trouve, illustre parfaitement le récit. On est sur ce genre d'ambiance très froid. On est en plein hiver. On est à Saint-Pétersbourg. Donc autant vous dire que clairement, moi j'adhère totalement. Je m'imagine. On est en immersion complète là, au niveau de cette ambiance-là, très hivernale. Donc pourquoi pas vous le garder pour l'hiver si vous voulez vous le lire. Mais je vous conseille, on est clairement sur une ambiance un petit peu. J'ai pas envie de dire à la Downton Abbey, mais voilà, on est à la fois dans les bas-fonds de Saint-Pétersbourg tout en étant dans les salons, les grandes réceptions de certains aristocrates russes. Donc, clairement, trop trop bien. Pour le prochain roman, on est au XIIIe siècle, en 1245 pour être plus précis. Et Le secret d'Alix, donc de Isabelle Chavy, pareil, j'ai une édition Françoisir, parce que à l'époque, voilà, j'ai été abonnée fut un temps, et j'ai adoré vraiment ce roman, c'était juste génialissime. Il me semble qu'il est sorti au format poche chez Pocket, je l'ai vu passer à un moment donné, donc voilà. Et on est clairement sur des secrets de famille, on est clairement sur des trahisons. Des coups bas, on est en fait à la fois, si vous voulez, pour au niveau du pitch, on suit un juge
parce que il y a en fait un grand comte qui va accuser son frère ou son demi-frère, je ne sais plus, enfin bref, il y a une histoire de famille, il y a des secrets de famille, en veux-tu, en voilà, et jusqu'à la fin, il y a des rebondissements. Et si vous voulez, on suit donc au tout début, le pitch de départ, c'est ce fameux comte qui va accuser quelqu'un d'autre d'hérésie. Donc forcément, il y a la... Donc, hérésie, c'est clairement contre la religion. À l'époque catholique, on est au niveau de la région vers Albi. On est juste après une guerre, ouais, c'est ça, bah, les fameuses croisades. C'est la fin de la croisade des Albigeois après plus de 40 ans de guerre. Et le comté de Toulouse est sur le point de tomber en l'escarcelle du roi de France lorsque, contre toute attente, l'Inquisition reçoit une ultime dénonciation. Du haut de sa forteresse, le redouté seigneur Geoffroy d'Arrigues accuse d'hérésie Albin de Fourques. Or, l'homme se cacherait, protégé par Alix de Beaumont, la propre sœur de Geoffroy. Je sais pas si vous avez compris, mais du coup, effectivement, le comte accuse quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre serait quand même caché chez sa sœur, la fameuse Alix. Et voilà, comme je vous disais, on est clairement sur des secrets de famille. Dans une ambiance de château fort, parce que voilà, au XIIIe siècle, c'est encore les châteaux forts. Et je trouve que c'est vraiment le roman parfait qui va peut-être vous réconcilier avec cette période-là si vous n'êtes pas du tout habitué à lire des livres qui se passent à cette période. Et encore une fois, si vous aimez les secrets de famille, foncez. On n'est pas sur une ambiance de princesse, etc. On est vraiment sur une ambiance un roman un peu de cape et d'épée, de chevalier très dur, très fort, assez courageux, mais en même temps très machiavélique. Machiavélique, je sais pas si j'ai très bien prononcé. Bref, et encore une fois, des gros, gros, gros secrets de famille. La plume est plutôt assez immersive. Et comme je vous disais, jusqu'à la fin, il y a un gros rebondissement. Et je trouve que cette histoire est juste magnifique. Encore une fois, j'ai pas trop envie de trop en dire. Je pense qu'il se découvre. Et il est assez épais, mais en vrai, il se lit assez vite. Donc voilà, j'espère en tout cas vous avoir convaincu parce que moi, j'avais adoré, je me souviens à l'époque. J'en garde un super, super souvenir. Voilà, cette petite sélection, cette vidéo en tout cas est maintenant terminée. J'espère que ma sélection vous a inspiré. N'hésitez pas, pareil, à me mettre en commentaire si vous avez des romans historiques que vous me recommanderiez. C'est vrai que j'adore ça, enfin, je pense que vous le savez, si vous suivez ma chaîne, j'aime beaucoup les romans historiques, même si j'en lis un petit peu moins en ce moment. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette sélection vous a plu, que cette vidéo aussi. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième version, une partie 2, entre guillemets, parce que c'est vrai que niveau roman historique, j'ai un stock assez conséquent de romans à vous recommander. Voilà, merci d'avoir regardé du coup cette vidéo. J'espère que vous passez une bonne fin de week-end, une bonne semaine, bonne soirée, bonne journée. En fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et puis, moi je vous dis à bientôt. Bye bye!